instant cosy pour discuter avec vous un peu de tout et de rien, de films, de séries et de lectures, car ça fait très longtemps. J'avoue que j'ai perdu le mojo. J'ai perdu le mood, j'ai eu une petite baisse parce que j'étais plus occupée à préparer mes extérieurs, à bricoler, etc., que de faire des vidéos. Donc je continue quand même à faire des lives Twitch avec une fréquence moindre là aussi, parce que du coup je suis assez prise par le boulot, normal, hein, ça on change pas, ça, on s'en fout, ça vient pas en plus ou en moins, c'est toujours là. Mais surtout mes extérieurs où j'aimerais avancer, où je stagne depuis un petit moment, j'avance mais pas assez à mon goût. Donc je reviens discuter avec vous, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps, donc on va papoter un petit peu, les news, tout ça, donc je vous ai mis une petite intro, je vous ai mis le soleil, parce que comment vous dire, c'est une denrée rare, nous l'avons eu dimanche, avec un samedi pourri, une journée aujourd'hui, on est lundi 29 avril, il était temps que je revienne parler un petit peu, parce que j'ai beaucoup de livres que j'ai lus, mais dont j'ai pas fait de vidéo. Et c'est pas pourtant que j'ai lu beaucoup au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai perdu le rythme de tout. Alors, j'ai recoupé. J'espère que vous m'entendez bien parce que du coup, j'ai le micro. Je savais pas si c'était bon. Bon, on va voir maintenant. Donc, j'ai perdu le mojo. J'en étais là et je vous disais... oui, parce que moi, du coup, j'ai coupé, mais je sais plus ce que je disais. Que ça a fait effet boule de neige dans le fait d'avoir pas mal de questionnements sur mon implication, sur mon envie, etc. Que j'avais en fin d'année, en début d'année, là. J'avais repris un bon rythme, sans me poser de questions ni rien. Et là, j'avoue que quand vous avez moins le mood, eh bien, oui, vous vous posez quelques petites questions. Je continue, pas, j'ai beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de retard sur mes services presse et j'en suis désolée auprès des auteurs et des maisons d'édition. J'aime pas trop ça. J'avoue que je suis quelqu'un... sans m'envoyer des fleurs, qui reste assez réglo sur ses services presse, qui aime bien ne pas trop déborder. Ça va de un mois à grand max deux mois où j'aime bien avoir tout rendu, tout fait comme il faut. Voilà, un mois et demi. Voilà. Tout dépend quand la vidéo doit sortir, en fait, au bout d'un mois. Mais j'aime pas trop déborder. Et là, en fait, c'est du grand n'importe quoi. En plus, j'ai pas rendu les avis vidéo des livres que j'ai lus. Donc voilà, c'est un engrenage qui fait que j'avais moins envie. Mais ça va revenir. Parce que j'aime ça. Donc ça revient pas en cause, en fait. C'était pas le fait de vouloir arrêter ou... C'était plus un questionnement de comment faire autrement. Voilà, c'était plus un questionnement dans ça. Parce que non, j'aime bien ce que je fais. À mon rythme, comme je veux. Donc de ce côté-là, c'était pas trop ça. Donc j'ai beaucoup de lectures, donc il va falloir samedi, je vais vous parler de 4 lectures et une nouvelle, parce que la nouvelle je crois que je vous en ai jamais parlé. On va parler films et séries, et on va parler aussi des lectures en cours. Donc déjà on va commencer par les lectures en cours qui vont m'accompagner en débordant sur le mois de mai. Donc Le sang des sauvages, le tome 2, Le prix d'Alcibiade de Farah Anna. Pour rappel, c'est une relecture. J'ai déjà lu cette duologie à l'époque où elle était sortie, ça avait été un énorme coup de cœur. J'ai écouté donc en relecture le tome 1 il y a 2 mois, c'était en février, c'est ça. Et donc au mois d'avril, avec Elle Booktube et vous, on avait décidé de lire ce deuxième opus. Bon, je vais déborder sur le mois de mai. J'ai commencé quand même l'audio aujourd'hui, j'ai déjà un qui est 100 pages, 91 très exactement, donc c'est pas 100. Hein, mais j'ai avancé un petit peu aujourd'hui, je ne l'avais pas encore débuté, parce que j'ai fini La Villa aux étoffes en audio. Donc ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc ça redémarre très très bien. J'avais, en redémarrant là, je me dis, ah oui, ce tome 2, c'est vrai. Tout ça, il y a ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. En fait, c'est un tome 2 à tambour battant. En fait, il n'y a pas de temps mort. On va d'événement en événement. On dirait que Sanae, c'est une boule de flipper, en fait. Toi, t'as la chanson. Si, tu l'as. Si. Ah, si t'as pas la chanson, t'as pas la ref. Donc du coup c'est une boule de flipper et en fait il lui arrive plein de choses et elle est secouée d'un endroit à un autre et elle subit beaucoup pendant un long moment dans ce deuxième opus où le premier était plus la découverte des deux univers, la découverte des personnages, des événements qui s'enchaînent dans ces deux mondes différents hein, parce qu'ils vivent pas de la même façon, ils sont en conflit, ils sont en guerre depuis des années et des années. Donc ici dans Le sang des sauvages vous allez suivre deux tribus si vous voulez, qui sont en conflit et il y a des massacres, etc.
dans une cité où les gens sont enfermés et des sauvages qui vivent en pleine forêt et qui attaquent cette cité pour essayer de tuer au maximum des habitants. Pour vous la faire vraiment courte, hein. Et je me rappelais du tome 2, puisque quand j'ai commencé, je me dis, ouh là là, oui, c'est vrai. Donc voilà. Ce que j'aime, c'est que j'ai beaucoup de souvenirs quand même encore de cette lecture. Je suis contente, en fait, au fil des années, de me souvenir quand même assez bien de ce récit. Donc c'est une duologie, c'est de la dark fantasy. Alors là, on est bien dans de la dark fantasy pour les personnes qui auraient vu peut-être d'autres choses sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Au cas où, je préfère vous prévenir. Pour ma part, c'est vraiment de la dark fantasy. Il y arrive des choses abominables à nos personnages. Les personnages sont vicieux, les personnages sont torturés, les personnages vont se faire des coups bas. Il va y avoir de la violence, des meurtres, de la torture, et tout ce qui s'ensuit dans toutes les guerres que l'on peut voir. Donc attention, public averti si vous n'avez pas l'habitude. Au niveau fantasy, c'est assez facile à suivre quand même, c'est assez simple. Donc si ça vous tente, en tout cas moi j'ai vraiment adoré. Et là j'ai enquillé ce matin 90 pages en audio, easy comme on dit, et c'était trop bien. Donc il me tarde de continuer. On continue avec ma lecture en court papier que je n'ai pas repris depuis la semaine dernière. Je l'ai commencé fin de semaine dernière, je crois. Et ce week-end, j'ai pas lu du tout une seule ligne. Je suis un peu accaparée par les séries et les films, plus les travaux dehors. Oui, parce que le soir, je pense que je suis un peu fou et que j'ai pas envie de me concentrer pour lire. Donc je n'ai pas lu ce week-end. Je suis dans Aeternus. Non, Aeternus. Achou. Pardon. Aeternus, le tome 1 de Crocs et de sang de Anna Wendel. Donc ici, on est dans du fantastique romantasy, là aussi, avec, de la part de l'auteur, elle a revisité l'ordre des Templiers. Je vais vous la faire, là aussi, très courte et à ma façon. Elle a revisité l'ordre des Templiers. De nos jours, ils sont encore en activité. Attention, c'est des êtres assez particuliers. Une jeune femme est dans leur collimateur, elle et son frère, parce qu'ils sont une genre de prophétie, on va dire. Sauf qu'elle, elle est gênante. Et c'est ça, c'est le début de l'histoire. Elle est journaliste, et donc elle est fouineuse. Et elle veut essayer de comprendre ce qu'arrive à son frère. Et l'ordre des Templiers, enfin je vais les appeler comme ça, l'ordre des Templiers, là dans le collimateur. Et donc on est au début, elle a fait la rencontre du personnage masculin qui s'appelle Scorpio. On a le début avec un prologue où on apprend comment il est devenu, comment il est entré dans cet ordre. Et on va nous parler d'immortalité. Donc je ne vais pas en dire plus. Pour l'instant ça démarre très bien. J'aime beaucoup la plume de Anna Wendel. Et en plus c'était un point de vue alterné. Moi j'aime beaucoup ça. Donc voilà. L'objet livre, alors. Rien que l'objet livre est magnifique, c'est le relié avec ici. Voilà. Je vous ai fait un petit réel, un TikTok dessus. N'hésitez pas à aller voir, franchement, c'est un objet livre magnifique. On va rentrer quand même dans le vif du sujet aujourd'hui, puisqu'on est là quand même par la lecture que j'ai faite. On va d'abord commencer à parler série. J'ai fini la série Code Black. Je pense pas vous l'avoir dit, c'est une série hospitalière. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'était sympa. Ça finit un peu, voilà, c'est fini. Voilà, ça finit. C'est des séries qui ont dû être annulées, je pense, donc c'est jamais des véritables fins. Il y a des choses que j'aurais aimé pour certains personnages qui ne sont pas arrivés, mais c'est pas grave. C'est une série que j'ai terminée, que j'ai bien appréciée. Ça ne déroge pas à la règle. Ça changeait un peu le fonctionnement dans l'hôpital au niveau de l'entrée des patients, au niveau des urgences. C'était un peu innovant de ce côté-là. Donc c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé les personnages, bon, des acteurs qu'on retrouve dans d'autres séries. Un des mecs, on l'a dans Mystic River, l'autre, on l'a dans Station 19. Enfin voilà, des acteurs qu'on retrouve dans d'autres séries également. Et j'ai commencé la série Seal Team, donc avec David Boreanaz, puisque je me suis fait Bones il n'y a pas longtemps, pour rappel. Je me suis refait toute la série. Là, je me suis fait Angel. Petit aparté, je me suis refait Angel encore une fois. Je me suis arrêté au milieu de la saison 3. J'ai eu ma dose d'Angel. Et donc là, j'ai attaqué la série Seal Team. Pour l'instant, je suis à la saison 4, épisode 15, je crois. 14 ou 15. Voilà, je le regarde sur MyCanal et sur la chaîne MCM. La saison 4, sinon les deux premières, je les ai regardées sur Paramount+. Et la saison 3, je l'ai regardée aussi sur MCM. Voilà pour cette série. C'est une série où vous allez suivre une unité des Navy Seals. Vous allez être dans leur vie professionnelle, mais également dans leur vie privée. Et forcément, il y a beaucoup de choses. On a le syndrome du
le héros, un petit peu, voilà. On a les syndromes post-traumatiques, on a leur vie sociale qui est quand même assez mouvementée du fait d'être appelé en mission à n'importe quel moment, de faire des OPEX pendant 2-3 mois. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Et ça change, c'est encore un nouveau rôle pour David Boreanaz, qui est assez différent. On voit les fragilités, on voit l'orgueil aussi, on voit beaucoup de choses, on voit les mauvais côtés aussi de ces personnages. À d'autres moments, on voit des très bons côtés, on les voit changer, évoluer, on les voit se tromper, on les voit blesser les autres. Et franchement, c'est une série que j'aime beaucoup, je me régale. On va passer maintenant aux lectures. Avec le premier, c'est une nouvelle. Into the Wood. Je vous en ai pas parlé, c'était la petite nouvelle qu'ont écrit en commun Amélie Séastier et Eve Estier. C'est assez difficile, puisque l'une a écrit, Amélie Séastier a écrit la duologie Deadly Funeral qui a été un énorme coup de cœur. Pour les rappels, ceux qui n'ont pas vu encore ma vidéo dessus, n'hésitez pas à la retrouver. Je vous parle du tome 1 et du tome 2. C'est énormes coups de cœur de l'année 2023. C'est de la dark romance. Plutôt pour ma part, moi je le cantonne en romantique suspense, que j'ai adoré. Et on a à côté le one-shot qu'a écrit F. Vestier, qui est Beauty of the Beast, que j'ai beaucoup aimé aussi. Très très bon roman, très chaud, très sombre. Très émouvant aussi, très touchant, avec des belles poésies, des mots voilà touchants, des émotions touchantes. Donc deux romans que j'ai beaucoup aimés, enfin deux histoires que j'ai beaucoup aimées, et elles ont fait une petite rencontre de ces deux personnages que sont les deux personnages de Deadly Funeral et les deux personnages de La Beauté. Et c'est excellent. Franchement, ça se suffit à soi-même. Je me suis demandé comment elles allaient pouvoir tourner leur histoire. Je suis restée un peu sur ma faim. Voilà, j'avoue que sur le final, j'étais là, oh, ok. Je suis restée un peu sur ma faim, je m'attendais pas à ça, donc j'ai été surprise. Voilà, ça fonctionne très très bien. Ça matche super bien, c'est cohérent, c'est sympa. On retrouve cette humanité qu'il y a pour ces personnages qui sont quand même assez particuliers, qui sont assez sombres. Mais il y a tellement de lumière et d'humanité en eux et de sentiments qui, même pour eux, qui est quand même bouleversant. Donc, c'était super de confronter ces deux univers, ces quatre personnages, ce moment qu'on passe avec eux. Ça suffisait, c'était parfait. C'était super bien. C'est très bien réfléchi puisque, pour ceux qui ont lu les deux, c'est vrai que il y avait un gros questionnement de se dire, mais comment, vont-elles faire pour réunir ces deux univers et ces quatre personnages, et c'est très réussi. Franchement, c'était super bien. Donc je l'ai lu fin janvier. Il me semble que je vous en ai pas parlé. On continue avec Le photographe des disparus de Caroline Scott aux éditions L'Archipel. Donc ici on est totalement dans de l'historique. On va suivre un photographe revenu de la Première Guerre mondiale. Enfin, un soldat qui est devenu photographe des disparus, repart en France rechercher les endroits où certains soldats ne sont pas rentrés, savoir ce qu'ils sont devenus et ramener un souvenir aux familles, aux femmes de ces soldats, aux parents, pour qu'ils gardent une trace concrète, étant donné que beaucoup de ces personnages se situent en Angleterre. C'est des soldats qui sont venus combattre en France sur le sol français. Et donc, du coup, on va suivre ce photographe et également sa belle-sœur qui était mariée à un soldat et qui reçoit une photo de son mari et qui se dit qu'il est peut-être encore vivant. Donc, on va partir sur les routes de France, enfin, du nord de la France, hein, plus précisément, bien évident, pendant la Première Guerre. Et on va suivre ces deux personnages. Alors, c'est une lecture où j'attendais, je pense, beaucoup de choses, d'être émue, touchée. On va retracer un petit peu le passage de ces héros, de ces soldats. Comment sont-ils morts? On sait que c'est une guerre quand même de tranchées, donc ça a été un peu une boucherie. Hein, beaucoup d'événements restaient un petit peu pour nos héros, enfin, pour nos deux personnages principaux, restent un peu nébuleux.
Voilà. Moi, ça n'a pas fonctionné avec moi, cette histoire. Malheureusement, j'ai trouvé ça très long. C'est un roman qui fait 410 pages. J'ai trouvé ça très très long sur les routes de France, à la description des villes, de ces villes qui ne se sont pas relevées après la seconde, après la première guerre, puisque là on est avec ces personnages, on est quelques années après, on est 2 ans je crois après la fin de la première guerre mondiale, donc on a beaucoup de, bah, de villes un peu détruites, de gens qui, de villes qui se reconstruisent, de gens qui essayent de continuer à vivre, etc. Il m'a manqué d'émotion, il m'a manqué énormément d'empathie. J'ai survolé cette histoire, j'ai trouvé ça très long. On va d'une ville à une autre, on sait pas où on nous. J'ai pas compris où l'autrice nous amenait. Je trouvais ça très décousu. J'attendais quelque chose depuis le début parce qu'on perçoit quelque chose qui s'est passé pour ce jeune homme et sa belle-sœur. Et j'attendais. Voilà, je suis un peu beaucoup déçu de cette histoire. Ça reste une lecture qui n'a pas fonctionné avec moi, malheureusement. Je pense que j'en garderai pas un grand souvenir, alors que j'ai vu beaucoup d'avis très forts et très émouvants sur ce récit. Moi, je pense que je suis passée à côté, malheureusement. C'est très bien écrit, ça je ne remets pas en question. Il y avait du potentiel avec les personnages, avec les événements que l'on va avoir. C'est un peu le petit poussé, hein, on va ramasser les cailloux au fur et à mesure où on avance. Mais malheureusement, je suis restée totalement hermétique à ce qui se passe, totalement sans émotion complète. Et du coup, ça a été un chemin difficile pour moi. Voilà, malheureusement, ça ne l'aura pas fait. Je suis la première déçue de ne pas avoir adhéré autant que je le voulais, que je le désirais sur cette histoire qui m'a fait beaucoup penser à un long dimanche de fiançailles, puisque, je vous dis, cette femme repart sur les traces de son mari, qu'elle a perdu, elle ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Donc ça m'a fait énormément penser à ce roman, un long dimanche de fiançailles, et au film, hein, puisque j'ai lu le livre et j'avais vu le film également. Ça m'a fait beaucoup penser à ça, et en fin de compte, ça a été pas raté. Bon, ben voilà, ça arrive de temps en temps. Donc, c'est pas chez moi que vous aurez la joie de m'entendre dire que c'était grandiose. Et je suis la première déçue. Dommage. Voilà pour celui-ci. On continue avec un deuxième service presse, Les Dieux du Hockey. Le tome 1, c'était L'Égocentrique de Eden Finlay et, je sais plus, Saxton. James. Donc là, on est totalement dans la romance contemporaine. Sport, hockey sur glace, voilà. Au vu de l'image, vous l'aurez peut-être vu, et au niveau du titre aussi, quand on parle des dieux du hockey. Et c'est donc chez Bookmark. Donc là, on est dans de la romance MM, romance contemporaine. On va suivre deux joueurs de hockey de deux équipes différentes. Donc Ezra et Anton, ils sont des rivaux depuis pas mal de temps déjà. Et Anton a une rancœur un peu incontrôlable envers Ezra, qui est quand même un homme qui s'assume complètement, qui fait beaucoup de frasques et qui est ouvertement gay. Alors que Anton est plutôt dans le placard. Ces deux personnages vont se confronter lors d'un match. Il va arriver un événement suite à ça, qui va remettre tout en question. Et ces deux personnages sont des ennemis to lovers. Et on va suivre leur histoire. J'en dis pas plus. Je m'arrête là pour le résumé. On reste dans du classico-classique, romance contemporaine dans l'univers du sport. Moi, ça l'a bien fait. J'ai passé un bon moment. Moi, j'aime ces histoires-là. Eden Finlay, je l'avais déjà lu dans Faux Petit Ami, que j'avais adoré. Vraiment, c'est une saga que j'avais adoré. Qui n'est, alors, s'il y en a, ils vont dire oui, mais je vois pas, c'est assez classique. Totalement. On est totalement dans l'histoire où vous savez ce qui va se passer, vous savez comment ça va se passer, vous savez ce qui va arriver, il n'y a pas d'énormes surprises, etc. Mais peu importe. C'est des lectures détentes. Moi, aujourd'hui, la romance contemporaine, surtout comme ça, dans des romances plutôt classiques, voilà, j'en demande pas plus. Ça fonctionne très bien. Là, ça a fonctionné. Encore une fois, j'aime bien. C'est punchy.
Il y a de la confrontation entre les deux personnages et petit à petit, ça se décortique. On s'ouvre l'un à l'autre, on explore la relation et on crève un peu l'abcès et surtout on casse un peu la carapace et on construit quelque chose. Et bon, voilà. Moi, ça fonctionne très bien. Ici, j'ai beaucoup aimé Ezra et Anton. Alors, c'est deux personnages qui sont quand même assez différents, vu que l'un est assez exubérant. Enfin, ils sont exubérants les deux dans leur sport parce qu'ils se croient les meilleurs, les plus forts et tout. Mais l'un est quand même plus exubérant dans son paraître et dans son phrasé, que l'autre est quand même plus froid, plus renfermé et ne se lâche que sur la glace, quoi. Voilà. Donc, on est avec deux personnalités différentes, ennemies to lovers, dans l'univers du sport. Ça fonctionne, moi, à chaque fois. Franchement, j'ai passé un bon moment, c'était bien écrit. Je sais pas qui a écrit quoi. Alors, je saurais pas vous dire. Bon, même si j'avais déjà lu Eden Finlay, je ne sais pas du tout. Je pense que je lirai la suite, parce que c'est des petites lectures que j'aime bien me caser de temps en temps comme ça, sous la dent creuse, et qui font le job. Voilà, c'est bien écrit, c'est dynamique. Certes, le schéma de la romance contemporaine reste classique. Peu importe, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé Anton et Ezra, alors qu'au départ, je pensais que je n'allais pas les aimer parce que moi, les égocentriques, les orgueilleux, etc., je suis pas très fan. Et au final, j'ai trouvé que ces deux personnages s'apportaient beaucoup l'un à l'autre et m'ont ému quand même un petit peu. Et j'ai beaucoup aimé leur relation. J'ai beaucoup aimé le fait de l'implication l'un envers l'autre. Voilà. Donc je vous le conseille si vous aimez les sagas comme ça, ou les lectures dans l'univers du sport avec de la romance un peu épicée, avec de la confrontation à enemies to lovers, je vous le conseille. Je vous retrouve donc installé ailleurs parce que je n'avais plus de batterie, donc je suis obligée de m'installer ici. Je viens vous papoter la suite et papoter un petit peu yaourt. Putain, mes flingues là. Yaourt, oui, je me suis mis à faire des crèmes dessert. Donc la dernière fois, j'ai fait des crèmes au citron. C'était très très bon. C'était léger, c'était frais, c'était super sympa. Et là, je vais vous me lancer dans la crème au chocolat. Alors j'aime moins, je vais pas mentir. J'en ai fait que 4, heureusement. Je vais les terminer, j'en ai mangé 2 déjà, mais alors je peine, hein. J'avoue que vous en mangez un, vous n'allez pas en manger 2. Donc je vais terminer ça. Et je pense qu'avant de refaire des crèmes au citron, parce que je pense que pour l'instant c'est ce que je préfère, je vais tenter la crème au café, parce que le café j'aime beaucoup aussi les crèmes simples, là, les crémeux là au café. Oui, mais c'est la crème. Ah mon Dieu, mes piquets là, bordel, elle souffrira moins. Donc les crèmes au café, j'ai envie d'essayer. Voilà, les crèmes au café, avant de revenir à la crème au citron qui, je pense, va remporter la palme et va être mon préf. Et je voulais tenter la vanille, à voir. Voilà. Donc pour me faire mes desserts maintenant, oui. Oh, mais on vit une époque formidable. Hein. Heureusement que la recette est simple. Parce que sinon, non, je me serais jamais lancée, vous vous doutez bien, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un moment. Non. Non, non, non. Bon, voilà, ça c'était la partie avant de repartir pour parler lecture. Ou ici, on va parler d'abord avant de parler lecture. Bon, allez, s'embrouille celle-ci. On va parler d'un film. Une vie avec Anthony Hopkins, qui est l'histoire d'un homme qui a sauvé à Prague, à la veille de l'invasion en Tchécoslovaquie, des enfants. Il va mettre tout en œuvre. C'est un Anglais qui part là-bas et il va rentrer en Angleterre et il va tout faire pour essayer de sauver ses enfants du régime nazi et de l'extermination, bien évidemment, et de la mort. Des enfants qui sont soit orphelins, soit encore avec leur famille. Il va leur trouver des familles en Angleterre et qui vont les accueillir. C'est tiré d'une histoire vraie, une histoire qui a été découverte que dans les années 80, à la fin des années 80, je crois, c'était en 89, je crois, que l'histoire a été découverte, une journaliste a récupéré l'histoire et a fait une émission télé où elle avait invité ce monsieur justement et où il a pu voir qu'il avait sauvé au final 669 enfants juifs, où il avait sauvé 669 enfants au total qui ont été épargnés et qui ont été sauvés de la machine nazie. Cette histoire a été donc adapté en film, puisque là vous voyez que c'est avec Anthony Hopkins, et vous avez une alternance de temps où vous allez avoir le personnage à Prague dans les années à la fin des années 30, début
des années 40, et vous allez la voir aussi à l'âge très avancé de 80 et quelques années, avant qu'il soit invité sur le plateau de l'émission de télé. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de pathos dans ce film. Il n'y en a pas trop. Bon, on a quelques scènes forcément de ces camps où ont été réfugiées ces personnes à Prague en 1938, quand le régime nazi a commencé à bien s'installer. Ils ont dû tout quitter, tout perdre, tout quitter, partir avec un simple petit baluchon, des enfants qui se sont retrouvés sans parents, voilà, des familles qui sont déchirées parce qu'ils sont séparés. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait trop de pathos là-dessus. Alors j'ai vu des avis, parce que j'écoute beaucoup d'avis sur des retours de cinéma. J'aime beaucoup ça, m'écouter, surtout sur des films qui me feront envie. Et j'aime écouter des gens qui vont dire des choses différentes. J'aime pas écouter les mêmes avis. J'ai vraiment des personnes qui divergent beaucoup. Dont une personne a dit que c'était des films de cette acabit. Alors c'est pas péjoratif, hein, mais Seconde Guerre, on a souvent du pathos à mener et qu'aujourd'hui c'était plus qu'on recherchait, etc. Et ben moi dans ce film-là, j'ai trouvé que c'était fait avec justesse, qu'il n'y en avait pas beaucoup. On est centré sur le travail de cet homme et sur ces personnes qui vont s'investir dans le fait de sauver ses enfants. On a quelques images, forcément, on peut pas faire sans aller voir au moins quelques visages de ses enfants. J'ai trouvé que c'était avec justesse, sans trop en faire. On a cette invasion nazie, cette peur qui commence à augmenter indubitablement, hein, et qui va s'enchaîner. Et on a cet homme d'un certain âge qui a passé sa vie dans l'incertitude de savoir si ce qu'il a fait a porté ses fruits ou pas. Et je pense que le côté le plus émouvant, à contrario, vous voyez, c'est pas en montrant forcément du pathos, comme certains disent, ou du tire-larme sur des événements de cette guerre. Non, moi, j'ai trouvé que le plus émouvant, c'était ce monsieur, dans cette solitude et cette patience et cette attente interminable de savoir qu'est-ce qui est arrivé à ses enfants, qu'est-ce qui est arrivé réellement à ses enfants, que sont-ils devenus, ont-ils été sauvés, ont-ils survécu à cette guerre. Et moi, la performance d'Anthony Hopkins, elle est grandiose. Elle est tout en retenue, tout en pudeur. Donc c'est pour ça que je trouve que ce film, il n'est pas tire-larme, comme Simone Veil, comme le film qui a été fait sur Simone Veil l'année dernière ou l'année d'avant, que j'avais vu aussi au cinéma et que j'avais beaucoup aimé, avec justesse, sans en faire trop. On est vraiment concentré sur le ressenti des personnages et pas forcément ce qui se passe autour. Alors si... quelque part, oui, mais sans cibler sur cette guerre et amener que cette guerre va vous amener les larmes au cinéma, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était pas ça qui avait mis les larmes. C'est cet espoir, c'est cette vie que ces gens ont pu mener, c'est cet homme, ce côté humble qu'il peut avoir, qui m'ont ému, en fait. On a de l'émotion humaine. Et c'est moi, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce film. C'est cette émotion humaine qui vous submerge. Voilà, donc j'ai adoré ce film, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, on va revenir à la lecture. C'est Missing You de Clare Smith, que j'ai fait un audio-livre qui était la lecture de Elle Booktube et vous. Une lecture MF, une romance contemporaine MF dans l'univers militaire. Donc c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier à regarder la série Seal Team, que je voulais déjà regarder depuis un bon moment. Je ne savais pas sur quelle plateforme la trouver, étant donné qu'en France, on ne l'avait pas. À un moment donné, quand elle a commencé et que je voulais la regarder. Donc, elle est apparue sur Paramount Plus. Donc, je me suis pris un abonnement d'un mois sur Paramount Plus pour pouvoir regarder les deux premières saisons. Et ici, vous allez totalement retrouver le même concept, c'est-à-dire une unité d'élite des Navy Seals qui va partir en mission, essayer de sauver une jeune femme. On va avoir une alternance de temps puisque notre personnage principal, notre héros, Navy Seals, connaît la personne qu'il doit aller sauver et fait partie de son passé. Et c'est son premier amour de jeunesse. Et donc, on va altérer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans leur relation, comment ça se fait qu'ils ne se côtoient plus, et qu'est-ce qui lui est arrivé à elle pour qu'elle se fasse kidnapper. Et vous allez avoir toute une première partie qui va être donc dans ce sauvetage, et une deuxième partie où on est plus, on va dire, dans la suite de cette histoire et dans les dernières réponses que vous pouvez avoir sur leur relation antérieure.
C'est une bonne lecture. Alors, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. C'est dynamique. J'ai beaucoup aimé la situation des deux personnages, surtout dans la première partie où on est dans cette mission, dans cette jungle, avec ces deux personnages et leur unité. J'ai adoré. J'aime beaucoup qu'on nous fasse partager ces missions militaires, ce concept de fratrie, en fait, militaire, de soldats. Donc ça, c'était super bien. Et le fait d'avoir ben, comment cette histoire entre ces deux personnages a évolué, leur premier amour, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc c'était hyper intéressant, hyper intense dans la première partie. J'avoue que j'ai eu moins de punchy et moins d'empathie dans la deuxième partie, où j'ai trouvé que ça coulait beaucoup plus facilement de source, où je pense que c'est dû à la construction et c'est voulu par l'autrice peut-être, donc c'est pour ça, dans une grosse intensité dans la première partie, et ça je sais que ça arrive souvent que les auteurs prennent ce parti-là, parce que je l'ai lu chez Marie Agy par exemple, et ça avait super bien fonctionné, et je suis, et ça aussi, Charlie Darc aussi avec Amour au front, où on se retrouve avec des militaires, où on a une première partie qui est hyper intense, donc le lecteur il est à balle, et après pour une, ben, apaisé parce que, pas d'autres de tropicaux non plus, c'est pas agréable non plus, donc il faut doser aussi de la part des auteurs. C'est très bien dosé là, mais j'ai trouvé que c'était ben, que concentré sur le couple en fait, que concentré là-dessus, que concentré sur la relation, et un petit peu une oxygène pour eux de finaliser leur histoire, de s'expliquer, d'avoir une fin pour eux, hein, à chacun. Donc voilà, j'étais moins embarquée, on va dire, hein, voilà, il y avait moins d'intensité. C'était sympa, c'était très bien écrit, j'ai beaucoup aimé les personnages, beaucoup de déclarations, beaucoup d'émotions dans la deuxième partie, donc qui m'ont moins captivé, on va dire. Voilà, mais ça reste une très bonne lecture si vous voulez lire une romance militaire, je vous la conseille. Franchement, c'était très sympa, c'est un bon moment, j'ai été vraiment dedans. En plus, pas mal d'épisodes de SEAL Team font penser à ce roman. Des événements qui se passent pour les personnages. Donc du coup, je trouvais ça très bien. C'était en alternance. Moi, j'ai attendu d'avoir fini quand même Missing You pour commencer SEAL Team, pour pas me mélanger. Mais en tout cas, c'était super bien. Je vous le conseille. Vraiment, moi, j'avais jamais lu Clore Smith toute seule. Je l'ai lu en duo avec Juliette Pierce, avec Darkness. Mais je l'avais jamais lu toute seule. Et franchement, j'aime beaucoup sa plume. Ça tient bien la route. C'est hyper docu. C'est recherché. Alors, d'après ce que j'ai entendu, elle aurait été dans le milieu militaire. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas beaucoup l'Autriche, je la suis sur les réseaux sociaux, sur TikTok. J'aime beaucoup ses TikTok, j'aime beaucoup sa façon de parler, son côté hyper abordable, enfin sur les réseaux tout du moins. Hein. Mais j'aime beaucoup. Et je trouve que ça plume toute seule. Et tout aussi bien que celle que j'ai pu lire en quatre mains avec Juliette, puisqu'on ne sait pas trop qui écrit quoi. Donc là, j'ai vraiment eu sa plume qu'à elle. Et donc voilà, ça fait partie de ces romances militaires que j'ai appréciées. Au même titre que Target, au même titre qu'Amour au front, au même titre que, voilà, j'ai plus en tête à l'ombre de nos secrets, Croiser le fer, etc. Voilà, des romances qui sont prenantes et qui sont en temps de guerre ou dans le milieu militaire. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore découvert, allez-y, c'est une lecture très sympa. Et ensuite, le dernier dont je vais vous parler, je crois que je n'en ai pas parlé, je crois que je sais plus, je me mélange tout. Le dernier dont je vais vous parler, c'est Malgré les épines de J.L. Corolle. Donc J.L. Corolle, c'est un quatre mains, c'est deux sœurs, et c'est aux éditions Châtelet. Je l'ai pris parce que c'était un roman qui était disponible sur l'application Lizzie. Lizzie, c'est pareil que Audible ou que Nextory en audio. Et donc Lizzie, j'ai un abonnement, j'ai un crédit gratuit tous les mois. Ce roman-là est sorti chez Lizzie, donc j'en ai profité pour l'écouter. On va se retrouver ici dans de la romance historique, dans l'aristocratie française. Alors ça déroge un petit peu, et c'est ça qui est agréable aussi. Par rapport à ce que moi j'ai lu, hein. Je sais qu'il y en existe, mais par rapport à ce que j'ai lu, où habituellement je suis plus transportée en Angleterre sous la monarchie anglaise plutôt que sous la monarchie française. Donc ici on est avec des aristocrates français, on va suivre une famille où on va suivre surtout l'héritier de cette famille, donc qui s'appelle Alec, qui a 22 ans et qui a beaucoup de sentiments contradictoires et qui découvre au fil de sa sortie de l'adolescence et maintenant de son âge adulte que c'est les garçons qu'il aime, hein, que c'est pas les filles. Donc à un moment donné, à cette période-là, c'est compliqué de s'assumer, de se découvrir soi-même.
et de pouvoir le faire avec quelqu'un d'autre parce que ben, c'est interdit. Ça peut mener loin. De s'affirmer encore plus. Ça, non, tu oublies. Voilà, à cette époque-là, tu oublies. Et donc, il va tomber éperdument sous le char, éperdument amoureux, et sous le charme du jardinier de la famille qui vient remplacer l'ancien jardinier qui est parti, qui s'appelle Simon. Et vous allez suivre cette histoire. Alors, j'étais assez sceptique sur le début. J'avoue, je ne vais pas mentir, j'étais assez sceptique au départ de mon histoire où j'ai trouvé ça assez simple, sans grandes émotions. Et au fil des pages, j'avoue que les autrices ont réussi à m'alpaguer. Je crois que c'était une écoute mignonne. Ça fait plutôt penser, si je dois le ranger dans une case genre, un peu young adulte. C'est-à-dire les prémices de beaucoup de questionnements sur une période en plus historique où on n'a pas le droit d'aimer un homme. Bon, même encore aujourd'hui, vous allez me dire, pour certains pays, oui. Mais en France, plus particulièrement, à cette époque où ils n'ont pas le droit de s'aimer, de se montrer, pas le droit de se dévaler. Et puis surtout, ça peut porter préjudice un petit peu à cette famille aristocrate. Voilà, ça peut porter à mal. Et surtout, j'ai eu un petit passage au début du roman où il y a une scène épicée qui est très rapide. Alors, pour ceux qui n'aiment pas justement les scènes épicées dans les romans, vous pouvez aller vers cette romance historique MM si vous voulez découvrir le MM, ou vous en lisez, où il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, la scène est très courte, mais par contre, elle est très courte et pour moi, elle n'est pas... Il y a un truc qui m'a chiffonné un petit peu. Autant ne pas la mettre dans ces cas-là, parce que j'ai trouvé qu'il manquait de lien, qu'il manquait d'émotion et qu'il manquait de réalisme sur l'imbrication des personnages, on va dire ça comme ça, de comment ça se passe. Alors, je peux pas trop ici développer, hein, mais voilà, en ayant lu quand même pas mal d'histoires, et bon, ça change aussi comment ça fonctionne un petit peu quand même. Bon, même si c'est deux hommes, hein, je pense que les émotions et les sentiments entre un homme et une femme ne sont quand même pas tout à fait les mêmes aussi. Donc, il y a un truc qui m'a quické. Mais sorti de là, j'ai fait abstraction parce que ça dure, mais vraiment, elle ne les décrit pas, c'est quoi, deux lignes, je pense, à tout casser. Donc le roman ne porte pas sur du spacey ou des scènes épicées. On est vraiment dans la relation de ces deux personnages et on est dans un peu ce déboire de la place de l'aristocrate et de son employé et puis le riche le pauvre quoi. Hein, voilà. Et en plus il y a ça et en plus il y a le fait de ne pas avoir le droit de s'aimer. Et donc on a ce jeune homme qui se cherche et j'ai trouvé qu'au final c'était mignon, voilà. Ça m'a fait penser un peu à un young adulte, j'avoue. Mais je me suis laissée alpaguer parce qu'encore aujourd'hui, j'avoue que ces deux personnages, eh bien, j'y pense un petit peu. Et j'ai trouvé que c'était mignon. Alors, c'est pas un coup de cœur. C'était mignon. Voilà, c'était mignon. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça assez sympa. Le contexte, les personnages, la mise en situation de ce qui leur arrive. Voilà, c'est mignonné. Je ne peux pas trouver un autre mot que celui-là. C'est mignon. Je trouve que la plume est assez maîtrisée pour peut-être une plume plus d'époque, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça. Et en même temps, elle reste assez simple. Mais ça n'empêche pas qu'au fil de l'écoute, mais je me suis laissée alpaguer et je n'aurais pas lâché l'audio. J'aurais pas arrêté, j'aurais pas... Voilà, il fallait que j'arrive au bout, il fallait que j'accompagne ces personnages jusqu'au bout. Ça reste sympa. Voilà, ça reste une lecture sympa. Il n'y a pas trop de difficultés pour eux. C'est assez simple, mais c'est pas grave, c'est assez mignon. Voilà, donc voici pour celui-là également. Et on a fait le tour et on va s'arrêter là aujourd'hui pour tout ce blabla. Pour cette vidéo, parce que ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Et la prochaine fois, il faudra que je vous parle de Los Intocables, le tome 1, Forbidden Soldier, La Villa aux Étoffes, et il y en aura d'autres, je suppose, aussi d'ici là. Et il y a pas mal de séries que j'ai regardées, séries françaises que j'ai regardées, dont il faut aussi que je vous parle. Mais ça sera pour la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, ça a été bizarre de me remettre devant ma caméra pour parler lecture, franchement. J'espère que je ne vais pas me démotiver et que je vais revenir assez rapidement. Et préparer peut-être... Céline, prépare des vidéos à l'avance. Mais tu ne trouves jamais le temps de préparer des vidéos à l'avance. C'est toujours pour le problème.
Donc bon, écoutez, là il est 19h30 presque, je vais manger en catastrophe et je vais attaquer le live. Donc c'est pour ça que des fois c'est un peu... Moi j'aime bien me poser un peu, couper, scinder, voilà. Donc je suis rentrée du boulot et j'ai fait en suivant. Voilà, pour vous raconter un petit peu la maison, vous en branlez, vous vous en foutez complètement, s'il faut. Mais vous le saurez, écoutez, en attendant, je vais retourner à mes petites crèmes café la prochaine fois, et sûrement citron, parce que citron, j'ai vraiment adoré. Affaire à suivre, je vous mettrai peut-être la recette, si ça vous intéresse, à voir. Il n'y a rien de... J'ai trouvé ça sur TikTok, donc écoutez... Rien de révolutionnaire, de mon niveau culinaire, quelque chose de rapide, de simple, en 10 minutes c'est fait. Ça c'est génial, ça on aime, ça on aime. Écoutez, on va s'arrêter là, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, mais bientôt, un jour, hein, tout ça, et bisous câlins.